Après avoir obtenu l'aval de la Troïka de ses créanciers publics il y a quelques jours, l'Irlande s'est affranchie jeudi de leur aide après avoir reçu la semaine dernière l'ultime tranche du programme d'aide de la part de la Commission européenne, du FMI et de la BCE. À charge désormais pour le gouvernement irlandais de financer son économie à 100% sur les marchés obligataires. Écoutez le Premier ministre irlandais. Il s'agit de la dernière démarche à franchir. Elle va permettre à l'Irlande de revenir à des conditions normales de financement de son économie. Au cours de sa dernière mission, la Troïka a émis un satisfecit d'ensemble sur la gestion irlandaise, tout en pointant quelques fragilités concernant les banques, les dépenses publiques ou bien encore le niveau du chômage.